a mis de la masse. On est en 1979 et nouvelle protéine incroyable. Alors, c'est The All New, tout nouveau, Muscle Gaining Formula, une formule qui te fait gagner du muscle. Eh oui, Nitro Pro. Alors, c'est pas du Jovéder. Hein. Non, ce n'est pas du collagène. Ah, le collagène, c'est pas bon. Mais un hydrolysat, ce qui était assez exceptionnel, ça devait coûter la peau du cul. Un hydrolysat, enfin une formule de protéines hydrolysées spécialement conçue pour les athlètes, qui est dérivée de caséine et de lactalbumine, dérivée de lait, et qui est une des sources les plus riches de protéines. Nitro Pro. Alors tu vas avoir une balance azotée positive. Et comme tu l'aurais obtenu avec les stéroïdes, mais sans les risques des stéroïdes anabolisants. Et oui, tu ne meurs pas. Alors, deux. Alors seulement, il faut en prendre seulement deux table spoon. Je sais plus si c'est des grosses cuillères ou des petites cuillères, tu diras. Tous les jours, et tu as, attention, tu as 7 grammes, incroyable, 7 grammes des 8 acides aminés essentiels, c'est ce que je te disais à l'époque, on utilisait les protéines avec parcimonie. Alors tu me dis, mais avec qui? Avec parcimonie. C'était une blague du Splendide. Je crois, hein, tu me corrigeras si. Et donc, la digestion et de l'utilisation des protéines est de 70%. Pas comme le collagène qui est une protéine inférieure avec une absorption totale de 22%. Et oui, le youtubeur le dit. Le collagène ne s'assimile pas. Nitro Pro. Ce n'est pas un produit fortifié. Ah bon? Alors, tous les... il n'y a rien de rajouté, quoi. Tous les ingrédients viennent du lait. Les huit acides aminés essentiels, qui incluent le tryptophane, dans sa forme naturelle. La plupart du collagène, pourquoi il parle du collagène? Parce que toutes les protéines qui étaient... sous forme peptidique à l'époque, c'était du collagène. Donc, c'est assez nouveau. Alors, je sais pas si je vais en trouver avant, mais c'est en 79, c'est assez nouveau. Et le collagène n'a pas de tryptophane. C'est incomplet. Et c'est pour ça que ça te fait pas grossir tes muscles. Et là, c'est complètement prédigéré. Et tu le prends et ça va directement dans ton sang. Et ça va te faire gagner du muscle pour devenir un bodybuilder de compétition. Donc, t'as bien retenu 7 grammes. 7 grammes. Donc, c'était c'était typique de ce qu'on pouvait se payer, et encore, si t'étais riche, en supplémentation de protéines de l'époque. Bon, c'était une protéine qui était un peu chère, mais bon. 7 grammes, c'est vraiment... Les souvenirs que j'avais, c'était vraiment une petite cuillère. Alors, tablespoon, teaspoon, c'est une petite cuillère, donc ça... Deux grosses cuillères. Mais il devait pas y en avoir beaucoup. Il devait y avoir beaucoup de flotte dans leur truc.